bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de edge of origin. ce soir, je vais vous parler de quatre choses. les quatre choses, ce sont les trois villes que nous avons sur notre carte, qui sont la ville watson, la ville Alli alliage et la ville. Oulais, je l'ai un peu loin. Perpétuelle. Ces trois villes ont, on va dire, euh, pour faire plus simple, euh, les mêmes boosters quand vous les capturez. Alors, comment fait-on déjà pour les capturer? Pour les capturer, vous verrez que euh, c'est à peu près à peu près tous les euh, une dizaine de jours, entre 7 et 10 jours. Euh, non, un peu plus. Euh, tous les 15 jours. Euh, vous, il, suffit, il suffit simplement de regarder le chronomètre qui est dessous. Et euh, dès que ce compteur-là est terminé, votre alliance doit aller sur la ville pour pouvoir la capturer. Il faut rester un certain temps. Et une fois que c'est la dernière alliance qui reste euh, dedans au moment où le chronomètre de capture se termine, que la ville est donnée à l'alliance. Que fait cette alliance essentiellement Elle va vous donner des boosters. Vitesse de construction, donc vous allez construire plus vite. Vitesse de collecte, vous l'aurez compris, vous allez collecter plus vite. Alors, ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui seront données à toute l'alliance. Une fois que vous aurez capturé la ville, il appartient au chef d'alliance de nommer ce qu'on appelle un gouverneur. Vous le voyez, nous on a la ville déjà depuis un moment, pour ne pas dire depuis qu'il y a eu la fusion. Et cette fois-ci, c'est mon tour. Qu'est-ce que gouverneur, qu'est-ce que ça apporte à la personne qui obtient euh, ce privilège Hop, on va aller là. Gouverneur. Voilà ce que vous obtenez quand vous devenez gouverneur. Boost d'attaque plus 6%, boost de PV plus 6% et réduction de temps de recrutement plus 6%. Alors certains me diront probablement, oui, mais c'est un petit pourcentage. Oui, un petit pourcentage, mais qui n'est pas négligeable quand vous souhaitez effectuer du recrutement de masse, et pas non plus négligeable euh, quand vous voulez effectuer des attaques. car bien évidemment, même si c'est que 6 petits pourcents en attaque, eh bien, écoutez, quand on fait des attaques groupées, c'est 6 de plus, c'est toujours 6 de plus. Ça, c'est ce que vous gagnerez vous personnellement. Rien ne vous empêche après si vous êtes en union ou que vous avez la capitale, car il y a aussi la capitale qui peut se capturer. Et au sein de la capitale, vous avez Différents bonus que vous pouvez demander si vous êtes un union ou que vous connaissez bien euh, le grand patron. Vous pouvez bien évidemment lui poser la question est-ce que tu peux me passer maréchal Quand vous êtes un union, vous pouvez directement postuler. Et euh, si vous souhaitez faire du recrutement, euh, eh bien, il suffit de choisir celui qui correspond. Alors il y a le maréchal qui fait du recrutement. Normalement, il y en a un deuxième. Je ne me rappelle plus lequel c'est, je suis désolé. Voilà, réduction du temps de recrutement 5%. Ça vous ferait 11% de réduction si vous postulez à ce poste-là. Ce qui n'est pas négligeable si vous voulez faire du recrutement de masse. Qu'est-ce qu'il y a aussi quand vous êtes gouverneur Il y a aussi que vous avez à votre charge, du coup, la responsabilité d'offrir des cadeaux et oui il y a de temps en temps des cadeaux pour cela il vous suffira de rentrer dans le pack et de choisir qui va obtenir quoi comme cadeau vous cliquez sur octroyer et vous décidez à qui vous voulez donner Les cadeaux au sein de votre alliance. Vous ne pourrez donner uniquement à votre alliance. Vous ne pourrez pas donner à des personnes d'une autre alliance. Alors il y a trois types de packs. Il y a le pack du chef, le pack officier et le pack de guerrier. Donc vous voyez, on peut donner trois packs du chef, cinq packs officiers et dix packs. Euh, côté guerrier. Alors, euh, dans le premier, on a euh, 15 fois 2 heures, euh, 15 de 2 heures aussi en soins, on a 10 accélérateurs de 1 heure euh, pour, euh, pour tout n'importe quoi, un petit peu d'or, alors vous le voyez, c'est des, hey, des lingots, de, c'est des paquets de 100 donc euh, 100 fois 10, ça fait 1000, ça vous fait que 1000 or ne partez pas du principe euh, « Ah, chef, 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 donne-moi le pack, euh, le pack, chef. Euh, » Coco, tu que 1000 en un truc, tu as tout utilisé. Donc, ce n'est pas la peine. Ne demandez pas avoir du pack juste pour avoir un peu d'or. Demandez des packs euh, pour avoir des accélérateurs soit de soins, euh, soit de recrutement, ou alors des accélérateurs universels. Il n'y a que là-dessus que c'est intéressant. Car concrètement, tout le reste, les quatre qu'il y a sur le côté gauche, là, que ce soit la nourriture, le pétrole, les 1000 or ou l'acier, le pétrole, la nourriture et l'acier, vous faites quatre attaques, concrètement, vous avez déjà gagné le pactole. Et pour l'or, il vous suffit juste simplement de faire les événements d'alliance. Et les événements d'alliance, il y en a combien Alors, au sein d'une alliance, vous avez le zombie, pas le zombie élite, les guerres élites, vous avez le Domerana. Vous avez euh, la rébellion des zombies euh, et après vous faites euh, tous les petits événements et euh, vous gagnerez même plus que si vous demandez ça. Faut juste jouer, c'est tout. Quoi veut dire de plus? Hein? Quand vous êtes gouverneur, aussi faites attention. Car du coup, vous êtes visible de tous. Car là, je suis noté en bleu parce que c'est ma ville. Mais vous imaginez que grosso modo, là, la ville du copain, avec un... Vous imaginez avec un, le joli petit logo au-dessus de sa tête. Donc vous le voyez, hein, c'est vite visible, comparé à ceux qui n'ont rien. Donc on est vite reconnaissable. Donc forcément, qui dit reconnaissable, vite attaquable. Donc si vous devenez gouverneur, n'oubliez surtout pas que euh, vous pouvez être rapidement. Devenir vulnérable, euh, d'autant plus que quand on donne la gouvernance à un joueur, euh, c'est pas non plus pour rien. C'est parce que justement, on estime qu'il a euh, les capacités pour bien jouer et que c'est un bon joueur. Donc, euh, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi quand vous êtes gouverneur. Parce que quand j'en vois durant les vides qui sont gouverneurs, qui perdent leur bulle, euh, et qui après ils disent au secours, au secours, au secours, au secours. Ben Coco, t'es gouverneur, mec. Euh, et puis euh, je sache, moi je suis dans le 52. Théoriquement, on est un peu tous euh, au jour d'aujourd'hui dans la même époque. Hein. Ça fait à peu près 4 ans qu'on joue. Si tu ne sais pas cacher tes troupes, moi je peux rien pour toi. Surtout que pour cacher des troupes, il y a plein de solutions. J'ai déjà fait une vidéo sur comment cacher les troupes. Euh, tu peux demander à tes copains. Tu sais, les copains qui ont des bulles, on peut cacher des troupes dedans. Puis t'as un fort d'alliance, tu peux cacher des troupes dedans. T'as des drapeaux, tu peux en cacher dedans. Tu peux les cacher aussi. Il euh, n'y en a pas. Si. Tu peux les envoyer euh, récolter tes troupes. C'est bien aussi. Mais loin de préférence, pas à côté de ta ville. Sinon, les mecs ils vont attaquer et puis tes troupes vont revenir. Ça sert à rien. Bon, sinon, tout ça pour en revenir au sujet principal qui est le gouverneur. Alors, gouverneur, vous l'avez vu, hein, c'est super, super bien. On obtient des petits buffs en plus. Qui du coup, euh, moi j'ai plus rien, il y a tout qui s'est désactivé, mais tout à l'heure j'avais tout activé. Alors vous imaginez avec un euh, boost 25 d'extension, plus 15 en attaque, plus 15 en PV. Euh, J'avais activé euh, l'extension euh, 10% euh, rapide. Ça permet de quand même faire un beau bordel. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Que ça soit en euh, commentaire ou en venant dans mon Discord. Il n'y a aucun souci, je réponds à toutes les questions. N'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, à tchao, bye bye.